fin de l'année avec un salaire réduit de 40% et puis il serait licencié d'ici un an. Le football, l'actualité sportive de ce dimanche soir, c'était la fin de la 9e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Le PSG a battu Lyon 2-0. Franck Ballanger. Cela ressemble à une passation de pouvoir. Lyon, la grande équipe française de ces 10 dernières années, a été logiquement battue ce soir au Parc des Princes par un Paris Saint-Germain de haut niveau. Les Lyonnais auront fait un match correct. Ils n'auront pas été ridicules, loin de là. Mais une fois de plus, les individualités du PSG ont fait la différence. Javier Pastore notamment, c'est l'Argentin qui a débloqué la situation après un superbe numéro sur le côté gauche.